vous installer bien confortablement. Vous fermez les yeux en signe de rupture avec le monde extérieur. Vous prenez conscience de votre respiration. Vous inspirez profondément par le ventre. Vous expirez profondément par le ventre. Vous inspirez en gonflant votre ventre comme un ballon. Et vous dégonflez votre ventre à chaque expiration. Vous imaginez qu'à chaque fois que vous expirez, que vous chassez toutes vos préoccupations, tous vos soucis. Imaginez maintenant qu'à chaque fois que vous inspirez, que vous laissez entrer en vous le calme, la sérénité. Et vous laissez maintenant votre respiration reprendre un rythme normal. Continuez de respirer avec votre ventre sans forcer. Laissez tout simplement votre ventre respirer. Votre respiration est calme.
Chaque inspiration, chaque expiration est régulière. Régulière. Vous allez vérifier maintenant si tous vos muscles sont bien relâchés. Vous portez votre attention sur votre visage. Vous relâchez les muscles du front. Les paupières. Vous relâchez les muscles des joues. Les tout petits muscles autour des yeux. Vous relâchez les lèvres, le menton. Décontractez parfaitement votre mâchoire inférieure. Vous décollez la langue du palais. Et vous laissez la bouche légèrement entrouverte. Tout votre visage s'apaise. Même la peau de votre visage vous semble détendue. Vous prenez entièrement conscience du poids de votre tête sur le coussin. Et vous lâchez complètement prise. Vous abandonnez vers le sol en toute confiance, en toute sécurité. Et cette sensation agréable descend le long de votre nuque. Vous laissez complètement tomber les épaules vers le sol. Vous descendez mentalement le long de la colonne vertébrale jusqu'en bas. Arrivé en bas, vous remontez en sens inverse pour essayer de relâcher encore un peu plus tous les muscles de votre dos. Mettez votre attention sur vos deux bras, les mains et les doigts. Relâchez chaque doigt jusqu'aux ongles. Le dessus des mains. Prêtez une attention particulière à la paume de vos deux mains.
les poignets. Décontractez parfaitement les avant-bras. Les coudes, les biceps, vos deux bras sont détendus, les muscles relâchés. Cette sensation agréable se communique maintenant dans vos deux jambes. Vous ne pensez qu'à vos pieds. Les orteils. Le dessus des pieds, ressentez la voûte plantaire, laissez les talons s'enfoncer vers le sol. Les chevilles, vous décontractez parfaitement les mollets, les genoux. Les cuisses, vos deux jambes se détendent de plus en plus vers le sol. Tous les muscles sont relâchés. Et cette sensation agréable remonte jusque dans votre bassin. Votre bassin se détend, se détend. Vous visualisez vos hanches. Et vous laissez complètement s'écraser les fesses vers le sol. Laissez bien retomber votre ventre et vous remontez votre conscience dans votre buste. Desserrez la sangle thoracique, le diaphragme. Relâchez tous les muscles de la cage thoracique. Tout votre corps est détendu à présent, parfaitement détendu. Votre respiration est calme,
Calme. Votre visage est tellement détendu que vous n'avez plus du tout envie d'ouvrir les yeux. Vos paupières sont lourdes, lourdes, agréablement lourdes. Et si vous le voulez bien, vous repensez à nouveau à vos deux bras. Imaginez vos bras lourds, lourds, très lourds, de plus en plus lourds, comme si vos bras étaient devenus de plomb. Et cette lourdeur agréable se communique maintenant dans vos deux jambes. Imaginez cette même lourdeur. Imaginez vos jambes lourdes, très lourdes, de plus en plus lourdes, comme du plomb. Et cette lourdeur agréable remonte jusqu'à votre bassin. Votre bassin est lourd, agréablement lourd. Dans votre buste, votre buste est lourd. À son tour. Agréablement lourd. Tout votre corps est lourd à présent. Très lourd. C'est comme si votre corps était devenu de plomb. Et cette lourdeur est très agréable. Cette lourdeur que vous ressentez ici et maintenant augmente votre état de détente. Je vous suggère maintenant de reporter votre attention sur vos deux bras, d'imaginer une onde de chaleur circuler dans vos deux bras d'un bout à l'autre. Vos bras sont chauds, juste comme il faut. Et vous laissez cette chaleur douce, bienfaisante, s'installer dans vos deux jambes. Sentez cette onde de chaleur circuler. Vos jambes sont chaudes. Cette chaleur agréable remonte dans votre bassin.
remplit votre ventre de chaleur douce. Votre bassin est chaud et cette chaleur remonte jusqu'à votre buste, inonde votre poitrine de chaleur douce. Votre buste est chaud à son tour. Votre corps est chaud. Et cette chaleur que vous ressentez ici et maintenant dans tout votre corps augmente votre état de détente. Maintenant, je vais compter jusqu'à 10. À 10, votre corps sera complètement engourdi. Je compte 1, 2. Vous sentez un léger engourdissement dans vos deux bras. Vous sentez un léger engourdissement dans vos deux jambes. 5, 6, votre bassin s'engourdit, votre buste s'engourdit, sept, huit, l'engourdissement est de plus en plus fort dans tout votre corps. 9 et 10. L'engourdissement est total. Tout votre corps est engourdi. Et c'est une sensation très, très agréable. Très agréable. C'est comme si vous ne sentiez plus du tout votre corps. Votre esprit, par contre, a gardé toute sa lucidité. Votre esprit a gardé toute sa vigilance. Vous vous sentez merveilleusement bien. Vous ressentez ce calme profond qui vient de l'intérieur, au plus profond de vous-même. Et vous vous connectez ici et maintenant à ce calme profond. Vous dirigez toute
votre vigilance vers ce calme profond. Comme si vous étiez dans un autre monde. C'est comme si votre corps, votre inconscient, faisait un focus sur ce centre de bien-être et de calme intérieur, jusqu'à ce que vous puissiez voir une image qui représente et qui symbolise cet état de paix. Dans cet espace, tout est paix, tout est tranquille. Vous ressentez une légèreté. Et cette légèreté va vous emmener vers un autre endroit. Vers un lac, une montagne. La nature est belle. Vous observez toutes les couleurs qui vous entourent. Vous n'avez rien vu d'aussi beau depuis très très longtemps. Un calme. Comme ce lac, paisible. Cette montagne qui inspire la tranquillité, la pureté. L'air de cet endroit est vivifiant. Et vous respirez cet oxygène qui vous entoure. En respirant cet air qui vous entoure, vous respirez le prana, les particules d'énergie. Il y a beaucoup de lumière blanche partout.
il y a un être qui vient vous chercher et vous le suivez. Vous le reconnaissez, vous connaissez son nom. Et en le suivant, vous apercevez que vous marchez comme sur quelque chose de léger, comme si il n'y avait plus vos pieds sur le sol. Et vous avancez, et tout en avançant de plus près sur cette montagne, vous apercevez qu'elle est coupée en deux. Et vous marchez entre ces deux montagnes en suivant ce guide ou cet être de lumière. Au bout, un énorme soleil. Un soleil tellement immense qu'il touche le ciel et la terre de ce lieu. Un soleil bien jaune, bien lumineux, qui irradie une puissance énorme d'énergie, une énergie confortable et supportable. Et on vous demande, accompagné de cet être, de rentrer dans cet espace jaune et lumineux. Et là, à l'intérieur, tout est jaune. Tout est lumière jaune, énergie. Cette lumière solaire est complètement différente du soleil que vous connaissez. C'est le soleil central. Et dès que vous reconnaissez ce soleil central, vous voyez un peuple solaire qui arrive, plein d'êtres de lumière. Ils sont heureux de vous accueillir et vous ressentez cette connexion de cœur à cœur, d'âme à âme. Vous sentez cette chaleur comme une chaleur humaine. Une fraternité. Vous vous sentez merveilleusement bien. Vous dit que dans cet endroit il y a les Pléiadiens, Chandra,
Hildon, Flex, qui sont venus vous voir et vous apporter tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour continuer votre chemin terrestre. Hildon s'approche de vous et vous donne dans vos deux mains une pierre. Une pierre jaune, marron, ronde, lisse. Cette pierre est une ambre. On vous demande de visualiser cette ambre dans vos mains et de visualiser qu'elle rayonne sur la terre et qu'elle apporte ses bienfaits. Il vous dit également que vous n'avez plus besoin de cette pierre, que vous-même devenez l'ambre sur la terre. Que consciemment, à chaque rencontre sur terre que vous allez faire à présent, vous pouvez consciemment, avec votre volonté humaine, votre intuition et votre intention, de vibrer cette énergie ambre à l'extérieur de vous, vers les autres. Afin de réchauffer les cœurs, d'apaiser. Avant de repartir, on vous demande de regarder le ciel le soir, d'aller dehors regarder les étoiles.
avant de vous enfermer dans votre maison, prenez le temps de regarder les étoiles. Vous remerciez et vous quittez ce peuple merveilleux, ce peuple chaleureux, un peuple chaleureux sous tous ses aspects, pour revenir vers le lac, accompagné toujours de cet être, de ce guide au départ. Et avant de revenir ici et maintenant, vous remerciez cet être qui s'appelle Maitreya. Vous quittez cet endroit, ce lac et cette montagne pour revenir ici et maintenant. Là où vous êtes allongé, vous reprenez conscience du monde extérieur qui vous entoure. Vous visualisez votre corps allongé sur le sol ou sur le lit ou sur un fauteuil. Vous respirez profondément pour faire venir la force et la vitalité dans tout votre corps. Toute sensation de lourdeur disparaît complètement. Toute sensation d'engourdissement disparaît complètement. Visualisez les lumières à travers vos paupières closes. Et vous reprenez conscience de votre chemin corporel. Vous bougez les doigts, les orteils. Vous vous étirez comme un chat. Vous bâillez. Vous frottez votre visage. Vous avalez votre salive. Vous mouillez vos lèvres. Et quand vous aurez bien étiré votre corps, bien bâillé, vous pourrez ouvrir les yeux.